Et ben le salut du love et des bisous les amis, c'est Alex NCN et le Don Alex. On se retrouve aujourd'hui sur Gotham Knights, épisode numéro 23 ou 24, je crois que c'est 23. On est sur l'épisode numéro 23, la suite de la progression vers la cour de Mr. Freeze, puisqu'on avait décidé d'aller affronter Mr. Freeze. Dernier épisode avec Batgirl d'ailleurs, après on va prendre Robin. Donc sachez-le, hein, c'est la dernière fois que vous allez voir Mr. Glaçon en combat avec Batgirl. Alors là, on est sur une phase où on va devoir beaucoup esquiver, hein, je pense. Hein. Donc on bat le boss, et ensuite, on s'occupe de Talia al Ghul, la terrible Talia al Ghul, hein, qui a l'air d'avoir des problèmes avec nous. Ok. Bon, ça, c'est l'attaque qui a permis de battre un certain Gueule d'Argile. Hop, donc on occupe maintenant de cette attaque-là, comme ça permet peut-être de monter des... Oh là! Ok, cinématique. Bon, on vient juste de commencer une minute de la vidéo, on a bientôt battu la moitié de la vie du boss. Donc on a quand même un petit combat à venir. Et puis on va finir la chapitre 7 de Talia al Ghul avant d'attaquer le chapitre final avec Robin. Donc je pense qu'il reste deux épisodes. Je pense que le prochain épisode qu'on va tourner sera la fin du jeu. Et on va pouvoir se concentrer sur Kenna, Bridge of Spirit, qui sera le prochain let's play qui sera tourné sur cette chaîne YouTube. Mr. Freeze! Et moi, on doit l'affronter sur un bateau? Non. Ok. Oh, bien joué. Ok, là, on est sur son élément préféré, la glace. Ok. Mr. Freeze, Kuzan. Et lui est défaitiste le mec. Ok, ok, esquive. Wow! Génial! Faut que je t'abatte? Ok, 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 ok. Bon, j'avoue, je suis pas trop doué. Hein. Oula, oula, oula! Au grappin? Ok. C'est bon. Nous avons réussi la fuite au grappin. Là, esquive, esquive. Oh là 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 là. Ah ouais, là ça peut être facile par contre. Futograppin, futograppin. J'arrive pas encore à maîtriser les techniques de Mr. Freeze, donc il commence à être chaud. Hein. Je vais essayer de garder mes attaques ultimes pour la phase 2, hein, parce que la phase 2 elle est vraiment dure. En vrai, j'ai peu de temps pour le frapper, et quand je peux le frapper, regardez, je fais esquiver, et quand j'esquive, ben, j'ai pas beaucoup de time. C'est pas grave de prendre des dégâts. J'ai envie de le battre assez vite. Pas vous mentir, j'ai pas envie de traîner avec le combat. Ouais, c'est ça. Allez, hop, tiens. Hop. Ok. Allez, faut qu'on le batte. Hein. Allez, dans les airs, là, ça va être tout compliqué. Oh! Ok, c'est bon. On a esquivé. Ouais, si tu veux. Vas-y, c'est quoi ces cadeaux? Je te laisse figer Gotham dans la glace, mais battre avant. Ah. Hop. Ok. De quoi je peux prendre des dégâts alors que je suis pas du tout dans son champ de tir là? Je comprends pas trop le dégâts. Ah bah t'es venu au même moment, tiens, j'avais de quoi t'attaquer. Ouais, attends, j'ai plus beaucoup de barres de vie là, on va faire attention à tes ennemis, à tes potes là, qui vont me redonner un petit peu de points. Ouais, hop, bye bye tes potes. Alors je vais m'occuper de ses potes, comme ça je vais pouvoir avoir un peu plus de barres de... Voilà. Non, non, non. Alors est-ce que j'ai plus trop de vie, on va faire attention à pas faire le con. Bam! Voilà! C'est comme ça qu'on se débarrasse de Mr. Freeze, les amis. Allez, un coup! C'est bon! Allez, prochain coup qu'on lui met, il est mort. C'est bon, on l'a battu. Vous êtes prêts? C'est la fin! De Mr. Freeze! Ah non! Oh non, j'ai fait le con! Vous y croyez ou pas? Je viens de faire le double con. Oh non, non, non,
Il m'a étourdi. Il m'a étourdi. Je me casse. Ok. Ouah. Et bah c'était le combattant le plus fort du univers. Hein. Non, il va me congeler. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie là. Pas le con, fais pas le con. Oh non. Non, tu m'as tué. Ok, il fallait plus qu'un coup. Oh, j'ai eu peur. Oh, le combat, il était pas si simple. Hein. C'était le boss le plus dur pour l'instant. Harley Quinn, je sais pas si c'était devant. Mais Harley Quinn aussi a été dur. Hein. Mais lui, il était pas facile. Je crois qu'Harley Quinn était encore plus dur. Eh ben, nous venons de faire tomber Monsieur Glaçon. Définitivement, il va retourner à Arkham. On va le tuer, je sais pas. La surprise va se faire dans un instant. C'est terminé, Freeze. Vous êtes à court d'hommes, d'argent, de cryogènes, de tout. Vous êtes à court de vie, mec. Je voulais que ce soit ma plus grande création. Oh, ben non, c'est pas le cas. Nous t'avons attrapé. Du soleil, on se brûle les ailes. Oh, la référence. Cette référence très connue. Et voilà, nous venons de terminer Mister Glaçon. C'est bien. Au moins, il y a de l'honneur. C'est le bon moment pour partir. Le bat drone est en approche pour parler. Et bah, c'est bien. Mets-moi dans ma cellule s'il le faut. Bah. Ah, mais il veut pas mourir. L'autre fois, il voulait mourir, maintenant, il veut plus mourir. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des moments où il veut mourir, des moments où il veut pas mourir. Bah alors pourquoi tu retournes dans ta cellule s'il n'y a plus rien pour toi ici? Et nous avons un succès, retour au frais les amis, ça y est. Nous venons de nous débarrasser. Et la fin d'une époque. Ça y est, on valide le 825. Hop. Continuez. Et nous sommes de retour dans le beffroi. Alors, et vraiment, on a fait tout ce qu'il y avait à faire au possible. Je suis pas sûr. Alors, à moins de me tromper, hein. Mais je suis pas sûr qu'on a autre chose à faire en secondaire. Je crois qu'on a fait tout le secondaire qui était possible. Eh ben, écoutez. Et oui, c'est-à-dire Batgirl. Batgirl a fait un double ménage, hein, quand même. Elle a fait Gueule d'Argile et Mr. Freeze, le dernier combat le plus dur. Donc elle a fait deux bons petits combats intéressants, en fait trois, avec la première fois on avait affronté Gueule d'Argile. Maintenant, on reste encore plein de temps pour l'épisode, on n'est qu'à 8 minutes. Nous allons avancer la quête de Talia al Ghul. Et dès qu'on aura fait la quête 7.2, qu'on sera au dernier chapitre, chapitre 8, hein, je sais qu'il y a 8 chapitres, ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné avant. On prend Robin pour finir le jeu, puisque Robin va s'occuper de Talia al Ghul. Vu qu'ils sont assortis en termes de vêtements, bah ça tombera très très bien qu'ils s'affrontent. Comme ça, ils seront raccords, tout simplement. Allez, c'est parti! On s'occupe de Talia al Ghul pour cet épisode. Je tourne pas aujourd'hui, hein, l'épisode final, je tournerai samedi, normalement. Ce dimanche, je tourne pas de vidéo. Mais samedi, du coup, je tournerai l'épisode numéro 24 et fin. Je suppose fin du jeu, je ne sais pas encore. Je parle peut-être trop vite. Mais je crois que c'est la fin du jeu, épisode numéro 24. Épisode d'après. Est-ce que là on a encore le temps de faire cette mission-là? Si on finit cette mission-là en plus, ben... Voilà, vous avez déjà votre réponse. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe à l'asile d'Arkham? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'asile d'Arkham d'ailleurs. On était à Blackgate. On a sauvé... on a été voir Harley Quinn et on a été chercher des infos sur Batman. Mais l'asile d'Arkham, je suis pas sûr. L'asile d'Arkham, pardon. Et cette porte-là? Un asylum, ah ouais. Bon. Moi, je me rappelais plus, mais... Ok. Très bien. Eh ben, let's go. Let's go. Bah écoutez, j'espère que nous allons avoir une belle aventure dans cet asile d'Arkham. C'est parti pour la mission dans l'asile. Oh, c'est vraiment ténébreux.
J'approche d'Arkham. Compris. Tenez-nous au courant. Et pourquoi on va à l'asile d'Arkham? J'ai toujours pas compris. De la lumière. Dans un asile à l'abandon. Génial. Bon, vous savez, l'asile d'Arkham n'a jamais été si abandonné que ça. Hein. Alors, nous avons quoi? Où ils sont passés? On va faire une petite analyse. Module de confinement. Beffroi, j'ai trouvé une cuve. Ça me dit un truc. Inspecter le laboratoire. Ok. Alors Langstrom bossait pour la Ligue. Et voilà que Talia... Comment Langstrom ou Talia pouvaient bosser dans ces conditions? Une question. Alors, nous avons les notes sur le sérum. M01, N01... Pourquoi les gens s'inscrivent pour ces trucs? Des notes détaillantes des essais expérimentaux. Nous avons plusieurs flacons ici. On a le kunai de Talia. Donc Talia était ici il y a peu de temps, ça veut dire, je suppose. Ces sérums sont clairement l'œuvre de Langstrom. Ouais. Ok, des documents. Est-ce qu'on a des trucs qu'on peut relier? Résoudre. Non, résoudre. Alors, épreuve physique de divers volontaires. Montrant des résultats variés, le volontaire N01 semble avoir développé une force accrue étonnante. Mais il est mort. On peut noter une intensification de la brutalité. M. M. L. Ah oui, il est L, M. Ok. M. Et là, c'était quoi les trucs? M01 survivant. Donc il faut du M. Ah, l'étiquette est en grande partie illisible. Ah, c'est intéressant ça. Force physique 100%, performance cognitive 100%, 200%, 200%. Alors, qu'est-ce que Talia essaye d'accomplir? Bonne question. Des notes détaillantes des essais expérimentaux diraient que c'est Talia le ghoul qui en a écrit, qui a écrit en Tamazig. Le V24,07. Ok. Nous, il faut chercher le M01. Mais comment on peut comprendre? Il connaît une arme très précise de Talia al Ghul. Il y a identique dans le plateau du Beffroi. Je comprends pas en fait ce qu'on veut nous faire dire là. Attendez, c'est par rapport au document. Ok. Et là, c'est quoi ça? Les volontaires N01 semblent avoir développé une force accrue étonnante, mais il a succombé durant les essais. Donc c'est le M01. Donc, c'est les forces étonnantes qu'il faut pas que je prenne du coup. Ben, je dois pas... Je dois prendre ça. Et je vais le mettre avec ça. Ah, ça c'est quoi, ERA? Ok, il y a du ERA ici. Ce mélange de cette fiole est particulièrement riche en dionésium. Dionésium. Donc je peux le résoudre avec ça du coup. Il se passe quoi si je résous là, c'est bon? Pensez. Si cette étiquette était illisible, c'est forcément celle-ci avec un autre. Hein. Pourquoi serait illisible? Je vais mettre ça avec le deuxième. Ça marchait pas avec celui-là. Avec le quatrième alors. Ah, peut-être que là c'est plutôt la M. C'est la M01 qui a réussi. Et comme la M01 elle a réussi, ben, je suppose que c'est la M01. Qui a fonctionné avec un des autres. Je suppose. Hein. Bah, attendez, je comprends pas alors. Je suis content avec le dernier au fond, mais c'est pas ça, c'est quoi? What the fuck, je comprends pas. Passer à la solution. Oh non, j'aurais bien voulu trouver de moi-même, attendez. C'est dur à comprendre. Je l'avais été là, je suis au pif. Hein. Je l'ai arrêté, j'ai rien compris. Voilà, je vais pas me faire semblant que je comprends. Et je dis, ah, c'était ça au final. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ils vont peut-être expliquer. La méthode de Langstrom et l'a utilisée sur des volontaires de la Ligue. Il faut au pif.
Les cobayes ont vu leur force augmenter. Je me demande dans quelle proportion. Ils faisaient des tests sonores dans... Je pense que ça a doublé à 100%. Hein. Je télécharge les données. Oh 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 oh. Mais froid, on a une panne de courant. Comme par hasard. Selon les plans, il y a un boîtier électrique au sous-sol, juste après un vieux quartier de haute sécurité. Ok. Il y a un coffre ici à récupérer au moins. J'aime bien fouiller. Hein. Bien. Et ben on va aller au sous-sol. C'est génial. C'est pas ici. C'est pas ici. Bah comment on va au sous-sol du coup? Depuis l'étage. En fait on va à l'étage pour le sous-sol. Ça n'est pas logique. Ah, l'étage est caché. Beffroi. Enfin, le sous-sol est caché. Du labo. C'est tout ce que j'ai pu avoir avant la panne de courant. Jetez-y un coup d'œil et prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Ok. Bien reçu. On s'en occupe tout de suite. Attendez, là, il y a un truc. On va aller voir, il y a un coffre bizarre à prendre. Examinez. Oula, 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 oula. Hop, on va fouiller. Je sais pas ce que c'est. Machine de tech. J'ai pas le temps de lire. Ok. Il y a des trucs à récupérer un peu partout. Là, il y a un truc ici. Une prescription. Ah, ok, faut que je reste sur l'endroit pour lire le document. Bon, faites pause et lisez hein, si ça vous intéresse. C'est fou de voir tout ce qui est resté ici. Ouais, hein, c'est. Ça fait penser à l'asile dans Until Dawn. C'est pas une blague. Pour ceux qui ont la règle du jeu d'horreur Until Dawn. Bon, journal des visites, ok. On a de quoi de beau. Oh, on est au sous-sol. Voilà. Il nous a fallu une petite chute pour aller au sous-sol. Allez, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que c'est... Ça va? Mon père détestait venir ici. Ah ouais. Les fantômes n'existent pas. Sacré Jim. Franchement, j'en ai une peur bleue. Ravi de pas être là. Je veux pas être victime d'une malédiction. T'inquiète. Merci, c'est pile ce que je voulais entendre. Alors, on a quoi ici? Levier de boîtier de disjoncteur. Comment on entre? Comme ça. Parce que quand on va faire demi-tour, il y aura beaucoup de monde qui sera apparu sur la map. Ça devrait suffire. Ah, désolé. Alors, on va retourner là-haut. Et je suppose que quand je suis retourné là-haut, il y a du monde qui sera venu en renfort pour venir détruire le labo, c'est ça? Comme tous les jeux vidéo. On n'aura pas l'occasion de tout fouiller. C'est impossible par là. Regardez, hein. Je suppose qu'il y a du monde maintenant. Ah, pas du tout. Ok. Eh ben génial. La tour est éclairée. Ouais, bah voilà. Oh, bah tiens. Je crois que la ligne est venue me faire chier, hein. Ils m'ont envoyé trois gros guerriers là. Allez, c'est bon, il fallait des esquisses parfaites. Hop! Tu me fais une attaque toi? Allez, attaquez-moi, attaquez-moi. Je vous offre les esquisses parfaites. Oula, 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 attaque-moi pas. Bam! Toi t'es foutu. Allez, esquive parfaite. Allez, allez, esquive parfaite, esquive parfaite. Ah, il veut pas, il veut pas. Ah. Hop. Voilà. J'ai dit quoi? Esquive parfaite, les amis. Bam. Ok, là, c'est bon. On va pouvoir les éliminer. Hop. Ouais, bien joué, bravo. Hop, je soigne. Je vous l'ai dit, hein, on allait revenir et avoir du monde sur la map. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Hop! On s'occupe de lui. Ok. Lui vient de niquer mon combat là. Ok, bye bye. Ok, il y a encore du monde qui arrive là? Non, c'est bon.
Les attaques parfaites, j'arrive pas encore à les maîtriser. Hein. Ok. Attaque parfaite, non. Ça ne considère pas comme une attaque parfaite, c'est juste un combo. Et ben voilà. La Ligue est ici. Et ils sont pas franchement heureux de me voir. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont même dégoûtés. Donc j'ai l'impression que la Ligue va me faire chier pendant tout le reste de la visite dans la ville d'Arkham. Il m'étonne guère d'ailleurs, hein, parce que moi, je suis dû douter bien avant qu'ils aient... Regardez, je les ai vus là, ils ont disparu. Ok. Je suis sûr que je peux monter dans cette tour. Ah, ben je voulais monter tout à l'heure, mais c'était fermé. Ah, le raccourci. Dans la tour. Allez, on monte dans la tour. Est-ce qu'il y a des coffres ? Songe à l'âge qu'à Arkham, on se dit que cet endroit est solide. Arkham, ça a combien d'années ? Faut nous voir sur internet combien d'années a été. Enfin, en quelle année est écrit Arkham dans le lore de Gotham, Batman, etc. Ça pourrait être intéressant en vrai. Hop, oh, putain, moi la radio. On n'est pas en discothèque ici. Oula, c'est Halloween ou Noël là ? Il y a des fantômes là, j'ai l'impression qu'il y a entendu une porte s'ouvrir toute seule. Je peux rejoindre la tour depuis ce point. Ouais, non, attends, peut-être pas. Est-ce que la porte qui est là était fermée ? Non. Ah non, c'est pas des coffres, c'est des livres. Ok, ça c'est pour les fans de lecture dans les scénarios des jeux. Vous pouvez lire ce qui est apparu en haut à droite de l'écran si vous avez intérêt. D'ailleurs, je fais maintenant, je suis désolé, la caméra je la trouve trop grande pour les épisodes. Ok, c'est bon, ça a dû friser un petit peu de l'autre côté, je suis désolé pour les frises. C'est dû au fait que j'ai bougé ma caméra. Alors la tour. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Réinitialiser l'appareil. Aligner les fréquences. Ok. Je pourrais savoir ce qui se passait ici. C'est logique, ouais. Ok. Ensuite, on doit aligner la fréquence qui est là. Parfait. Ici, c'est quoi ? Oh, quelle énigme, attention. Il reste plus que celui-ci qui est pas bien mis. Oh non ! Il était bon. Bon, tant pis. Parfait. Et du coup, il se passe quoi maintenant ? Ouais, mais j'ai eu un bug. J'ai eu un bug dans les fréquences. Quand j'ai voulu aligner, ça a bugué. Et voilà. Voilà. Désolé, hein, c'est parce que les fréquences ont bugué. Oh, j'étais bon. Voilà, j'étais bon. On remet ça au goût du jour. Et là, je dois refaire 3 aussi, du coup. 1. C'est bon ? Ah non ! En fait, quand c'est bon, je dois pas appuyer sur réinitialiser et j'ai fait n'importe quoi. En fait, je dois juste laisser. Ok, je laisse juste ça et après, je fais plus rien. Je touche plus à rien. D'accord, j'ai pas compris. Et en fait, je touche plus à rien. J'attends juste. Voilà. Et de 1. Et bah voilà. Et du coup. C'est bon. Il y a ce câble là. Initialiser l'appareil. Qu'est-ce que je dois faire quoi là? Je comprends rien. Oh, des fois il y a des énigmes, personne comprend rien. Là, je suis trop pressé de voir la solution pour la comprendre l'énigme parce que là j'ai l'impression que c'est pas bon. Ok, secours. Que quelqu'un m'aide en fait, hein, parce que là. Ok, c'est bon. Et là, je fais quoi? J'appuie. Là, c'est bon. Ok. Bah voilà. Ils nous font chier là.
Attendez, je comprends pas. Je comprends pas, attendez. Aligner les fréquences. Je crois qu'il n'y a personne qui a compris le gameplay. Hein. Ah, je peux pas faire d'ellipse là, non. Oh là là. Allez les amis, je suis désolé, je vais peut-être devoir faire une ellipse, ça m'emmerde de ouf. Cette énigme, elle est nulle. Ah, j'essaie de dire que je suis méchant. Parce que ça se fait pas de dire que les énigmes sont nulles parce qu'on ne comprend pas. Mais là, je sais pas, c'est facile d'en avoir à comprendre. Je comprends pas l'objectif de l'énigme. Je comprends pas, en fait, les oscilloscopes, il faut mettre des trucs dans le verre. Ok, on est d'accord. Hein, je comprends pas pourquoi c'est pas bon mon truc. Parce que j'ai fait ce qu'il fallait, en vrai, j'ai cliqué sur les 4. Je vais lire quand même. Talia mène l'attaque de la Ligue des Ombres contre Gotham. Aligner les fréquences. Aligner les fréquences, hein. J'ai une vidéo sous les yeux, hein. Je vous dis, j'ai pas envie de faire d'ellipse parce que j'aime pas ça, les ellipses. Un truc que j'ai horreur. Écoutez. J'essaie de comprendre. Donc, je vais régler. Regarde la vidéo en même temps. J'ai réglé lui en premier. Puis lui. Voilà. Je vais faire lui à droite. Celui qui est là. Ah, il faut le faire dans l'ordre. Il faut régler les fréquences dans l'ordre. Bah voilà, ok, d'accord. Bon, ça se comprend mieux. Bon, l'énigme, elle est pas nulle. Ok, il faut le faire dans l'ordre. Merci YouTube. Merci YouTube. Et j'ai failli faire une ellipse. Hein. Ok. Ils s'en servaient pour des tests soniques sur les volontaires pour les contrôler. Ok. Je me sens assez mal. Je casse. Le bruit venait du labo. Il y a dû se passer quelque chose au labo. On a analysé les données. Alors. Elle montre que Talia a trouvé un puits de Lazare, qu'elle l'utilise pour booster ce que Langstrom a commencé. Wow. Mais où se trouve le puits de Lazare? Ah, par la quantité et la à Gotham, oui, voilà. Quelque part sous Gotham. Il y avait quelque chose enfermé ici? Et qui s'est échappé? Oh non. Oh, je crois que j'ai compris. Elle a mis Ra's al Ghul dedans? Je ne sais pas. C'est une des questions que je me pose, tiens. Oh. Coucou toi. On se détend. Évitons que ça dégénère en bagarre. Ok. On a trouvé une nouvelle créature très chiante à vaincre. Une chauve-souris géante. Qui a pété le dos de Batgirl, la pub de la pauvre. Il a pété le dos. Bah génial. Ok, combat de boss. Ok, bah c'est pas grave, tu vois, tu m'y surpris juste avant. Non, je crois que... Ouais. Bah nous, on sait pas non plus à qui on a affaire. Hein. Hop. Voilà, on l'a one-shot la chauve-souris. Mais attendez, elle a une tenue, donc c'était un humain avant. Regardez son jean. Ok. Ah, ça sent pas bon du tout là. Oh là là, le dos. Elle s'est brisée le dos et la nuque. Bad girl. Oui, c'est bon.
Bon. Bon bah Barbara Gordon est morte. Ça m'étonnerait pas. Du coup, le personnage il n'est plus utilisable. On va devoir peut-être aller le sauver. Et ça, ce serait vraiment stylé de la part du jeu faire ça. Donc là, le perso il est plus. Ah non, c'est bon. Ah, il m'a bien moché la chauve-souris là. Du coup, la chauve-souris, nouvel antagoniste pour le combat de fin, peut-être. Parce qu'on l'a pas tué. Quoique si on l'a mis à terre. Non, c'est bon, je pense. Et Talia al Ghul, elle va créer d'autres monstres comme ça, du coup, avec ses pouvoirs de Lazare là. Je me suis demandé si elle allait pas faire revivre Batman dans ma tête. Les scans indiquent que votre dos n'est pas touché. C'est superficiel. Bon, ça va alors. De toute façon, c'est pas Barbara qui va faire le combat, donc. Panique à Gotham City ce soir, après une nouvelle attaque violente à Robinson Park. D'après nos témoignages, des créatures volantes sèment la terreur en ville. La police demande aux habitants de garder leur calme et de rester chez eux. Oui. Il faut que je retourne en ville. Non. Tu ne retourneras pas en ville, Baba. Je suis désolé de te le dire. Les autres sont déjà en patrouille. Faites-moi signe quand... Je suis prête. Non. Après ma blessure, tout le monde pensait que j'étais fini. Oh non. Mais c'est pas elle. Il n'en était pas question. C'est Robin qui va devoir faire le combat final. Protéger les autres, moi j'ai ça dans le sang. Oh non, ça a niqué mon scénario. Je suis comme ça. Mais c'est Robin qui fasse le combat. Quel que soit le pseudo que j'utilise, c'est ma raison d'être. C'est bien, maman, mais... Et ça ne changera jamais. Tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de moi. Je suis sûr que vous savez déjà ce qui doit être fait. Il y a un puits de Lazare quelque part à Gotham. Où qu'il soit, Talia et sa ligue ne seront pas loin. Bon, j'espère qu'on pourra prendre un autre perso après. Son délire a assez duré. Faut mettre fin à Talia al Ghul. Et au puits de Lazare. C'est quoi ça? Un livre scellé comme jamais j'ai vu un livre aussi scellé quoi. C'est le livre que nul ne doit ouvrir ou... Est-ce que je peux prendre un autre perso par pitié? Ouais bah attends deux secondes. Oh c'est bon. Allez! Au revoir Batgirl. C'est la place au personnage qui va finir cette histoire et qui a commencé cette histoire. Robin. Alors, pour ça... On va s'occuper, nous, de deux choses. Des tenues. Hop. Des tenues. Ensuite, des capacités. Tac, on va remplir sa barre qui est là. Hop. 5. 4, 3. 2, 1. Et on va monter le 1 qui est là. Voilà. Bon. Tout commence à bien se débloquer. Hein. Hop, j'ai tanné l'autoplacement de Man Bats sur le tableau d'épreuve. C'est où? Voilà. Et du coup, je dois aller où maintenant? Je dois aller examiner ça. Un flashback. On va faire tous les flashbacks et on va arrêter là pour l'épisode numéro 23. Le prochain épisode va durer longtemps parce que ce sera l'épisode final. Peut-être de la drogue ou du plutonium. Enfin, Tim est un ado. Un jeu d'échecs? Ça me rappelle un truc. C'était pas à Bruce? Si, fait sur mesure. Les cavaliers ont des oreilles de chauve-souris. Eh, mais t'as raison. Des oreilles de chauve-souris? J'ai pris ça au manoir Wayne. Je sais que c'était dangereux, mais j'ai fait gaffe et personne ne m'a vu. C'est un gros risque pour un jeu d'échecs. Tout ce qu'on a récupéré dans le manoir appartenait à Batman. Ouais. On n'avait pas grand-chose de Bruce. Là, t'as voulu avoir un souvenir, je comprends, je comprends. Puis on sait que t'avais... On avait vu Robin, je crois, jouer aux échecs avec Alfred. Il y a cela 10 épisodes ou 15 épisodes.
Je sais plus trop. Alors, juste pour le coup, je vais prendre Robin, mais je voudrais bien faire la scène, la cinématique de tout le monde avant de finir l'épisode. Comme ça, on finira avec vraiment Robin. Va falloir garder un œil sur ce secteur. Augmentons les patrouilles. Ok. Il y a plus de scène de Robin là, si. On a encore une scène de Robin. Oh là là, mais il va falloir qu'on les enchaîne les scènes. En fait, toutes les scènes, il faut que je les fasse pour finir le jeu. Parce que c'est des scènes liées à l'histoire principale. On va faire la scène de Robin. Hop. Examiner le plateau d'échecs. On avait déjà fait une partie d'échecs, Alfred. On va refaire une partie d'échecs, du coup. Oh, là, c'est Dylan Todd qui joue aux échecs. Ok. Vous allez m'avoir dans 5 coups. Mais je gagnerai la prochaine fois. Je sais pas que Robin était un fan d'échecs. C'est le jeu d'échecs de Bruce. C'est moi qui ai sculpté ces pièces. Les cavaliers ont même des oreilles de chauve-souris. J'ai vu ça. Jason était en mauvaise posture, hein? J'ai promu un pion en dame, et j'étais sur le point de lui donner une bonne leçon. Je choisis pas la dame quand je promeus un pion. Je suppose que vous choisissez le cavalier. C'est toujours ce que faisait Bruce. Un peu évident, même pour lui. Eh ouais, mec. En fait, je préfère la tour. C'est une protectrice. Et une pièce majeure. Mais les gens n'y pensent pas. Ils se laissent distraire par d'autres menaces et hop. Échec et mat. Et puis... Le il rock, ouais. La téléportation. Quelle impudence. C'est comme ça que Robin gagne. Bravo Robin, on va donner une médaille d'or. Alors on va aller voir avec Redwood vite fait c'est des cinématiques. À moins qu'elle ait encore une avec l'histoire de Tim. Ça y est. Ça fait monter un level. Eh bien écoutez, on va pouvoir dépenser la compétence. Est-ce qu'il y a des trucs à 1? Non. Ok, on a fini l'histoire complète avec Tim. On va aller voir si Redwood il y en avait encore une. Et Nightwing. Et puis voilà. Bad Girl, je pense pas, parce qu'on avait été tout à l'heure avec Bad Girl, il y en avait pas trop. On va profiter pour dépenser les points à tous les persos du coup. Ah, il y a une histoire avec Redwood, j'ai pas fait d'aller voir. Hop, bon, là pour la fin de l'épisode, les amis, je vais mettre les scènes. D'ailleurs, je vous mets maintenant, je vous dis maintenant, mais c'est pas encore la fin de l'épisode, c'est parce que je vous le dire en fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Dire ce que vous pensez de, Gotham Knights, qui est pas mauvais hein, comme jeu. Hein. C'est un petit jeu hein, au final. Hein. Enfin, c'est pas un petit jeu, mais c'est un jeu sympa. Ouais, on s'est régalé. Et on a quasiment tout fait ensemble d'ailleurs. Jason, allez, les oignons ne vont pas se couper tout seuls. On fait pas de sauce sans couper d'oignons. Allez, Jason Todd. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs les amis à cliquer sur la cloche de notification si vous voulez avoir des alertes pour les prochaines vidéos. Va falloir pimenter tout ça. J'ai une petite idée. Vous allez voir. Ah. Mets un paquet d'ail, s'il te plaît. Un cuistot constructif qui fait des nouveaux plats, qui innove. Il a eu sa place dans Food Wars, Redwood. N'hésitez pas, évidemment, les amis, à aller dans la description, voir ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick pour les lives, le pseudonyme Le Don Alex. Si jamais vous voulez voir les prochains lives, donc là, il n'y en aura pas en fin d'année parce que c'est la fin de l'année. Mais n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. On va aller prendre Nightwing. Alors, attendez, non, on va dépenser ses points. Défi, tac. Capacité. Oh, il y a 10 points de capacité à dépenser. Oh, attendez, parce que. Ouh, tiens, on a des points à dépenser par ici, là aussi. Tiens. Oh, ça va être stylé, ça. Alors, on va voir si on peut finir le scénario de Nightwing maintenant. Il a déjà fini son scénario. J'ai l'impression que c'est déjà fini. À moins qu'il ait un truc à faire en ville. Attendez, je vais regarder comme la carte. Des fois, tu sais, ils ont des trucs à faire en ville, etc. Ok, non, un personnage, j'avais parlé là-bas, mais bon. Peut-être pas trop follow maintenant. Ah, il a un truc à faire en ville. Mmh. Écoutez, on reprendra l'épisode prochain avec la mini-quête de Nightwing. Je vais voir si Batgirl aussi elle avait un truc à faire à l'extérieur. Là.
Ou est-ce que c'est bon pour elle? Il semble qu'elle, on l'avait déjà fait, c'était la toute première qu'on avait fini parce qu'on avait été, rappelez-vous, au mémorial. Ok, donc on finira celle de Nightwing. On commencera l'épisode avec Nightwing, qui se rendra au mémorial, on sera là, voilà. Puis on va prendre Robin, donc on va faire une nuit dans le vent, voilà, comme ça tu pourras en off, faire des petits trucs, des courses et tout. Et ensuite on attaquera le chapitre 8.1 et 8.2. Je vous dis, prochain épisode, on fera un épisode s'il faut d'une heure, mais on finira le jeu. C'est officiel. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le Discord si ça vous intéresse. Et également sur le lien du jeu Gotham Knights sur PC si vous voulez y jouer sur PC. Donc je vais prendre Nightwing, évidemment. Et si vous êtes motivé à me faire un petit geste, c'est juste appuyer sur l'abonnement qui est gratuit. Quand vous êtes abonné, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Merci à vous, je fais beaucoup de love. Merci à vous, à très vite. C'était Alex NCN pour l'épisode numéro 23, je crois, de Gotham Knights. On se retrouvera pour l'épisode final dans les prochains jours. Ciao tout le monde.